Un autre baobab de la politique tchadienne est tombé. Abbas Mohamed Ambadi, président du Parti libéral pour l'unité et la solidarité, tire sa révérence ce vendredi. Proches, amis et connaissances affluent le domicile du défunt pour compatir, mais aussi témoigner de la grandeur de l'homme qu'ils ont côtoyé. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 1996, Abbas Mohamed Ambadi fut aussi ministre du Commerce et de l'Industrie une année avant. Cadre chevronné de l'administration, il débute sa carrière en tant qu'enseignant du lycée franco-arabe d'Abéché avant d'être proviseur du même lycée. Deux fois conseiller à la présidence de la République, président du comité permanent de l'organisation du pèlerinage, l'illustre disparu est un homme attaché à la religion. Né en 1945 à Adré dans la province du Wadaï, père de 8 enfants, l'enseignant rigoureux rejoint ses compagnons de lutte pour toujours.